j'ai fait un tour de bateau avec ma grand-mère et voilà ce qu'on a vu. Et donc là, on va passer au tour du zodiaque là sur l'avant droit. Aujourd'hui, j'ai rien de prévu, mais j'avais envie de filmer pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble la vie à La Réunion. Enfin, la vie, c'est pas la vie, c'est ma vie, vite fait. Juste là, ces quelques derniers jours, ça ressemblait plus ou moins à ça. C'est-à-dire, je me lève, je fais mon café, je me fais à mon petit-déj. Ou très souvent, c'est ma mère qui me fait mon petit-déj. Et je m'installe ici au bord de la piscine pour lire. Là, en ce moment, je suis en train de lire The One de John Mars, que j'adore pour l'instant. J'ai vraiment hâte de terminer. J'ai très hâte de regarder la série aussi qui est sortie sur Netflix il y a quelques mois. Voilà à quoi ça ressemble une matinée. Là, en tout cas, depuis que je suis arrivée, ça ressemble plus ou moins à ça quasiment tous les jours. Je sais pas quand on reviendra. J'aimerais profiter du temps que je suis là pour vous parler de La Réunion et pour vous donner envie de venir parce que c'est tellement une île magnifique. Je pense qu'on s'en rend pas compte. Enfin, je pense que vous ne vous en rendez pas compte parce que c'est tellement loin. Et puis en général, souvent, dites-moi si c'est aussi votre cas, mais souvent les gens ne savent pas situer La Réunion sur une carte. Et ce que je comprends, moi, je trouve pas ça horrible. Enfin, y a plein de gens de La Réunion qui sont outrés quand les gens savent pas situer l'île, mais les gens de La Réunion ne savent pas situer tous les pays du monde. Donc faut arrêter un moment de prendre à cœur les choses. Tout ça pour dire que je sais pas ce que je vais filmer aujourd'hui, je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Et c'est vraiment très agréable de vivre comme ça au jour le jour. Prendre les choses comme elles viennent et pas réfléchir, pas planifier, même si j'aime aussi être très organisée. J'adore, mais j'aime aussi la balance de ne pas prévoir, de ne rien prévoir. Sur ces belles paroles, je vais lire mon petit livre. Je suis à la page 232. Je vais essayer de l'avancer un petit peu. Je vais peut-être lire une centaine de pages aujourd'hui ou un peu moins, je sais pas trop encore. Je suis badigeonnée d'huile et de crème parce que les années précédentes je le faisais pas et je sais que c'est très mal. Et là, en ayant regardé les anatomies, je sais pas, ça m'a donné le déclic. J'ai pas envie d'avoir un cancer de la peau du coup. Je me suis bien protégée depuis le début. Il y a mon appareil surchauffe. Je vais fermer ma grande bouche et on se reparlera plus tard dans la journée peut-être. Ma section de lecture bronzage du jour, là il y a un gros nuage tout à l'heure vers 13h, donc j'ai pas bronzé beaucoup aujourd'hui en vrai. Ce travail est tellement dur, j'espère qu'on voit que je suis bronzée quand même. C'est mon objectif dans la vie, c'est d'être bronzée, de vivre bronzée le plus longtemps possible. Du coup là ce que je fais en général après ma session de bronzage, en fait là j'arrête parce que donc le soleil est revenu, le nuage est parti, la météo ça change très très vite ici. En fait toute la matinée je tourne autour de la piscine pour suivre le soleil, mais là il est parti se cacher derrière les cocotiers qui sont là, donc là c'est fini le bronzage pour aujourd'hui. De toute façon j'ai plein de choses à faire, il faut que je monte les vidéos de l'ombre que j'ai toujours pas terminé de monter. Là je suis au vlog numéro 3. C'est le vlog sur le studio Harry Potter. Ça, j'ai trop hâte de le terminer parce que au moins comme ça sera fini et je pourrai mettre ça derrière moi et j'aurai ce souvenir auquel me raccrocher en cas d'extrême nostalgie. Je vous fais visiter ma petite cabane là où je dors. Du coup, c'est ma chambre chez ma mère. Bah, elle est pas très bien rangée en vrai, mais c'est pas grave. Voilà ma petite chambre, mon petit coin de paradis là. C'est trop beau avec les ondes là. J'adore cet endroit et à chaque jour, enfin chaque moment de la journée, c'est différent parce que la lumière change et c'est trop beau. Voilà mon lit, voilà ma chambre toute belle, toute propre. Là, c'est le bordel. Il y a mon sac de plage, de piscine. Ça, c'est les livres que j'ai à La Réunion pour lire, donc là j'ai déjà terminé Eleanor and Park, et puis je pense que le prochain que je commencerai sera Phobos 4, comme ça j'alterne avec un livre en français, ou alors celui-là que Margot, si tu regardes cette vidéo, j'en ai le livre que tu m'as offert ici. Je ferme parce que sinon les chiens vont rentrer. Et là c'est le bordel, donc c'est pas grave, je vous montre quand même juste vite fait à quoi ça ressemble. Là j'ai ma valise, enfin une de mes deux valises avec seulement mes pulls parce que c'est les choses que j'utilise le moins, et mes chaussures, oh elles sont super bien rangées, c'est pas moi qui les ai mises comme ça. Là c'est mon bureau, donc je travaille dessus de temps en temps, mais j'aime bien aussi travailler dans le lit, je vous montrerai tout à l'heure, je vais aller travailler là-bas dans pas longtemps. Ça c'est mon truc d'hier soir, bon bref voilà, c'est pas très bien rangé, mais c'est toutes les choses que j'ai ramenées à La Réunion. Ça c'est mon ancien ordi, je crois que je vous l'avais déjà montré. Ma deuxième valise avec mon sac de rando à l'intérieur, mes vêtements qui sont un peu rangés n'importe comment. J'adore, c'est trop bien, ça me fait trop plaisir d'être là et c'est, je sais pas, l'ambiance, j'adore. Et je disais ça pourquoi, qu'est-ce que je voulais faire, je voulais récupérer mon ordi et je vais vous montrer vite fait ce qu'on appelle le nid. En fait c'est, je sais pas trop ce que c'est exactement, c'est genre une petite pièce qui est au bout de la piscine et c'est un endroit, je pense que vous avez jamais vu ça avant de venir ici, j'avais jamais vu ça. Et c'est donc, je vous montre vite fait le contexte. Là il y a la maison, là il y a la piscine, il y a un petit salon de jardin et puis là moi je me pose ici en général le matin et puis après comme je vous ai dit je fais le tour de la piscine. On va au bout de la piscine et il y a une petite pièce qui est dans un
un ce genre de nid. Ça, c'est Splash. Et voilà l'intérieur du nid. Donc c'est trop trop beau, c'est trop agréable. Là, ça, ils ont tout réaménagé l'année dernière. Avant, c'était pas du tout comme ça. Là, ça fait vraiment un salon. Ça donne envie d'y aller, ça donne envie de se poser. Et là, ce n'est pas un tableau, c'est la vue. C'est tellement magnifique. Et là, je vois qu'il y a du soleil, donc c'est une bonne nouvelle. Je pense que je vais venir m'allonger là pour lire un peu ou pour travailler peut-être pas si mon ordi va surchauffer, je pense. Du coup, là, je vais chercher mon ordi et je suis en train de me rendre compte de la tête que j'ai. Mais en fait, mes cheveux ont tellement été abîmés par la couleur la dernière que j'ai faite, même si c'est très beau. Je sais pas si je vous en ai parlé, mais j'adore le rendu de mes cheveux. Mais je sens qu'ils sont beaucoup plus fragilisés que les fois d'avant où j'ai fait des balayages, parce que là, j'ai demandé vraiment un truc vraiment très blond devant. Donc, je sens qu'ils sont un peu fragiles et j'essaye de plus utiliser de gel. Donc là, je vais les laisser au naturel le plus longtemps possible pendant que je suis à la Réunion. Donc, ça me fait des cheveux sans trop de forme. Enfin, ils sont bouclés, ondulés, mais ils sont surtout gonflés. Donc voilà, c'est pas magnifique, mais c'est pas grave. Je suis déconcentrée par la vue là, c'est tellement magnifique, c'est à couper le souffle et je pense que je me ferai jamais à cette vue. C'est trop beau, voilà, haut des tamarins, là il y a le soleil, j'adore cette heure de la journée parce que la mer, enfin le soleil se reflète sur la mer, c'est trop beau. Je vais chercher mon livre, je vais chercher mon ordi, je pense que je vais passer le reste de l'après-midi ici. Je sais pas si je vais sortir aujourd'hui ou peut-être que demain j'irai à la plage. Voilà, je vais travailler un petit peu parce que comme je vous ai dit, j'ai le montage, les montages des vlogs à Londres à terminer. Donc à toutes. What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. De ce vlog, on est le 26 mai. J'ai rendez-vous avec un copain pour manger à midi à Boucan. Donc à Boucan, c'est la première plage qu'il y a sur la côte ouest de l'île. J'y vais tôt, là il est même pas 10h parce que j'ai envie d'avoir de la place. Aujourd'hui c'est un jour férié et comme je suis stressée en voiture, enfin c'est la première fois que je vais prendre la voiture toute seule là depuis que je suis arrivée. Donc j'aimerais qu'il y ait personne pour me garer tranquille et c'est pas du tout sûr parce que là on est un jeudi 26 mai du coup et c'est férié donc ça va être la merde je pense. Voilà le programme du jour, là je vais me poser à la plage, je vais lire un petit peu et je vais attendre du coup midi pour pouvoir manger avec mon copain. Et voilà, ça va être cool, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Donc, c'est chouette et ça me fait plaisir de vous emmener visiter un petit peu autre chose que chez moi. Je suis en position, je vais m'apprêter à conduire et je voulais vous dire pourquoi je déteste conduire à La Réunion. Déjà les routes sont toutes petites, elles sont minuscules. Souvent on se retrouve dans des situations où deux voitures ne peuvent pas passer en même temps. Je me doute que c'est la norme, enfin c'est comme ça en France, c'est comme ça à La Réunion, enfin c'est pas lié à La Réunion que c'est comme ça. Mais moi j'ai été habituée seulement à conduire aux États-Unis et les routes sont tellement larges qu'il n'y a jamais de soucis quoi. Chacun sa place, il n'y a pas de problème. Pour vous donner un petit peu le contexte, j'ai passé mon permis à 18 ans. Juste après le bac parce qu'il fallait que j'ai le permis pour pouvoir faire au pair aux États-Unis, c'était une des conditions, c'était obligatoire de l'avoir. Donc j'ai passé mon code j'ai eu du premier coup, j'ai passé mon permis, je l'ai eu du deuxième coup et j'ai détesté mon moniteur d'auto-école, je le détestais franchement. Et j'ai parlé à une copine qui est très très forte à l'école, enfin elle réussit tout ce qu'elle fait, cette meuf. Et elle aussi, elle a eu un problème avec ce même moniteur d'auto-école. Donc je me suis dit, déjà, c'est pas moi le souci. C'est lui qui est vraiment pas pédagogue. Et ça m'a pas du tout donné envie d'apprendre à conduire. Ça me stressait. Enfin, le fait de l'avoir à côté de moi, j'étais vraiment mal tout le temps. Dès que je prenais la voiture, dès que j'étais en sa présence. C'était un enfer de conduire avec lui. Du coup, il m'a pas du tout mise en confiance. J'ai réussi quand même à avoir mon permis parce que j'ai regardé des vidéos tuto sur YouTube. Et c'est comme ça que j'ai découvert Mastu, qui à l'époque s'appelait Mastur Batman. Donc voilà, j'ai eu mon permis et je suis partie directement après aux États-Unis quoi. Il fallait que j'ai mon permis pour pouvoir partir et du coup dès que je l'ai eu je suis partie. Donc j'ai pas du tout conduit à La Réunion. En plus mes parents avaient des voitures qui n'étaient pas assurées jeunes conducteurs, donc j'ai pas eu l'occasion de beaucoup conduire le peu de temps qui me restait à La Réunion avant de partir aux États-Unis. J'ai conduit seulement sur des automatiques, sur des grandes routes américaines. J'ai jamais eu de problème, j'ai jamais vu d'accident en un an de conduite aux États-Unis à Charlotte. Jamais un seul accident. Pendant un an je n'ai vu aucun accident. Zéro. Je me suis jamais fait arrêter par la police et Dieu merci parce que je n'ai jamais passé mon permis en Caroline du Nord. J'ai conduit du coup pendant un an sans permis, même si j'avais mon permis français, c'était pas. Enfin, il aurait fallu que je repasse mon permis en Caroline du Nord, mais je l'ai pas fait. Donc voilà, je me suis jamais fait arrêter, j'ai jamais eu d'accident, je n'ai jamais vu d'accident et j'ai toujours été en confiance tout le temps aux États-Unis. En plus, je conduisais sur une voiture automatique et tout est tellement automatique que non seulement t'as la boîte de vitesse qui est automatique, mais derrière t'as des radars, tu vois la route derrière quand tu recules. Enfin voilà, tout est optimisé pour que la conduite soit agréable, pour qu'elle soit sécurisée.
familiarisée. Et du coup, je me suis directement habituée aussi au code de la route américain. Donc, par exemple, il y a des choses qui me paraissent tellement plus logiques parce que j'ai conduit seulement aux États-Unis. Genre, il n'y a pas de priorité à droite aux États-Unis, c'est que des stops. Donc, tu t'arrêtes à chaque fois. C'est beaucoup plus safe que juste réfléchir à est-ce que là je suis à droite. Déjà, moi, je connais pas trop bien ma droite et ma gauche. Sinon, aussi, par exemple, quand t'es au feu rouge, tu peux tourner à droite. C'est-à-dire que si t'es arrêté, mais que ton objectif c'est de tourner à droite, tu peux, même si c'est rouge, tu vérifies juste qu'il y a personne qui arrive de l'autre côté. Par contre, des fois, t'as des feux verts, mais tu peux pas passer parce qu'il y a des gens qui arrivent en face de toi. Tout ça pour dire que je suis très habituée au code de la route américain et à la conduite sur les routes américaines avec des voitures américaines. Donc, tout est beaucoup plus large, tout est plus safe, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, je me sens beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus en sécurité sur les routes américaines qu'en France ou même à La Réunion. À La Réunion, c'est le pire du pire. Et du coup, pourquoi je déteste conduire à La Réunion? Déjà parce que la majorité des voitures sont des manuels. Là, ma mère a eu une voiture automatique cette année, donc là, c'est pour ça que je me suis réhabituée à conduire. J'ai pas besoin de réfléchir à passer les vitesses, etc. C'est une automatique, donc je me concentre juste sur la route. Et la deuxième raison et la raison principale pour laquelle je déteste conduire à La Réunion, c'est parce que dès que tu sors de chez toi, tu vois un accident. Tous les jours, il y a des accidents. Tous les jours. Et des fois, t'en vois plusieurs dans la journée. Mais tout le temps. Des fois, c'est des accidents très graves. Des fois, c'est des accidents pas graves. C'est juste des voitures qui se rentrent dedans vite fait pendant les embouteillages. Et des fois, c'est terrible. Donc, franchement, ça me met pas du tout en confiance de conduire. Là, je vais conduire seule pour la première fois depuis des années, je pense. Parce que les années d'avant, je conduisais pas. J'ai entendu des aboiements. J'espère que les chiens sont pas rendus compte de mon absence. Je sais plus ce que je disais. Mais bref, c'est la première fois que je vais conduire toute seule. Là, ma mère, elle m'a emmené conduire quelques fois avant de partir. Là, elle est dans le sud, donc elle est pas là. Mais j'ai rendez-vous à midi à Boucan et je me suis donné ce rendez-vous pour me forcer à conduire seule. Je pense que ça va bien se passer. Parce que là, je suis relativement à l'aise sur la route. Je suis relativement à l'aise avec la voiture. Enfin voilà, je pense que je peux m'améliorer au niveau de la confiance. Mais ça va, je me sens suffisamment à l'aise pour décider de prendre la voiture et partir seule. Voilà, je voulais juste vous faire ce petit update et je suis contente de l'avoir en vidéo parce que c'est un moment important pour moi en vrai. Ne vous inquiétez pas, je prendrai pas la voiture si je me sentais pas de le faire, donc je vais mettre personne en danger. C'est juste que je vais être vraiment très très attentive et je peux pas faire deux choses en même temps. Je vais pouvoir chanter, je pense, et en plus je vais ouvrir là, comme ça il y aura de l'air et comme ça j'aurai une vue panoramique sur toute la route autour de moi, quoi. Voilà, on se retrouve en bas en espérant que je trouve une place facilement, ce qui n'est pas du tout sûr parce que voilà, en plus de la des routes minuscules, etc., pour trouver une place pour se garer, c'est un enfer, surtout à Boucan, un jour férié. Bonne nouvelle, je suis arrivée, j'ai trouvé une place presque dans le parking où je devais me garer, mais il y a déjà plus de place, mais c'est pas grave. J'ai trouvé une place tellement parfaite, j'ai fait un créneau. C'est con, mais en vrai, je suis vraiment fière de moi d'avoir réussi à prendre déjà mon courage à deux mains pour pouvoir conduire et d'avoir réussi à le conduire. Bon, ça, c'était pas une surprise, je savais que j'étais capable de le faire, c'est juste que j'osais pas le faire. J'ai l'impression d'être libre là. J'ai l'impression de retrouver ma liberté de quand j'étais aux États-Unis où je pouvais prendre la voiture quand je voulais pour aller où je voulais et j'adorais conduire. J'ai conduit pendant un an et à chaque fois que je prenais la route, je me disais waouh, j'adore ce que je suis en train de faire. À La Réunion, je détestais. Là, ça va. J'ai bien aimé, je trouve que c'est agréable. En plus, les paysages sont beaux, donc c'est chouette. Mais je suis encore méga concentrée. Enfin, j'ai pas encore pris les. Enfin, il faut de toute façon être très concentrée. Mais j'ai pas d'automatisme, j'ai pas pris les habitudes. Là, j'ai fait des chemins que je connaissais, donc il y a pas eu besoin de beaucoup de réflexion. Mais je sais pas si je me sentirais capable, par exemple, pour l'instant, de faire Saint-Gilles-Saint-Denis. C'est à peu près 30 minutes de voiture. S'il y a pas d'embouteillage, et il y a toujours des embouteillages. Bref, je suis très contente. Je vais aller à la plage et je vais savourer mon moment de détente avec mon livre, là, que j'ai trop hâte de continuer. Parce qu'hier, j'ai pas lu beaucoup, il a pas fait beau longtemps. Là, il fait super beau, je suis trop contente. Je pense que je vais me prendre un petit jus pour aller tranquille à la plage et attendre que mon copain arrive. Enfin, je suis large hein. Il est 10h30, 10h40 à peu près, donc j'ai encore le temps. Et après, il va falloir que je remonte en voiture. Et dans la voiture, là, j'écoutais le CD. En fait, quand je suis partie des États-Unis, j'avais gravé un CD avec toutes les musiques qu'on écoutait tout le temps dans la voiture que j'avais sur mon téléphone pour les filles. Et j'avais raté le premier essai, donc j'ai donné le CD avec juste les musiques, mais elles n'étaient pas bien nommées à ma mère. Et du coup, elle écoute ça tout le temps depuis 4 ans, 6 à 5 ans là. Et du coup, j'ai réécouté les musiques que j'écoutais dans la voiture aux États-Unis. Enfin, en vrai, c'est trop bien parce que ça la boucle, quoi. J'adore ce genre de moment. Je suis très contente, il fait très beau et je suis de très bonne humeur. Donc c'est cool. Regardez comment je suis derrière. Que vous allez voir, c'est un de mes souvenirs préférés de cette année. Ma mère nous a prêté sa voiture, on est allé dans le sud de l'île pour la fête des pères. C'était un week-end magique. Wish that I could stay. Wish for this moment to never go away. But it's all in my mind. And though I know that there is nothing to find. You're a beautiful sight in the summer night. D'être là. Coupé.
Streets all alone, all you can see, thinking about what your life came to be. You're a beautiful sight in the summer night. Et sans transition, voilà les dernières images que j'ai filmées de la Réunion cette année. De mon été, il s'est passé des trucs pas cool, donc à un moment donné j'ai décidé d'arrêter de filmer. C'est pour ça qu'il n'y a pas autant d'images que j'aurais voulu. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de fin à ce vlog. J'avais commencé à filmer toute une journée, j'avais comme d'habitude en fait, tous les ans j'ai envie de vous filmer plein de vidéos à La Réunion, mais une fois que j'y suis, j'ai juste envie de profiter avec mes parents. Et j'investis pas du tout de temps dans autre chose que profiter du moment présent, parce que je sais que ces moments-là sont rares. En tout cas, je suis trop contente d'avoir fini de monter ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi c'est un de mes préférés, je pense, parce qu'il regroupe énormément de moments auxquels je tiens. Des moments que j'ai passé avec mon père, avec ma mère, avec mes sœurs, avec mes animaux, avec Romain, enfin il y a plein de choses dedans. Ça donne envie de pleurer. Voilà, en tout cas je suis contente d'avoir ces images, même si j'ai pas pu mettre les musiques par exemple quand on était en voiture avec mon père. Une grosse partie du moment c'était les musiques qu'on écoutait dans la voiture face au paysage qui défilait devant nos yeux. C'était vraiment de super vacances, même si elles se sont pas vraiment finies au top du top. Je suis trop contente d'avoir passé ces moments là avec ma famille et avec mes amis aussi, même si on les voit pas dans ce vlog. J'ai pas énormément filmé, mais j'ai énormément profité et c'est le principal. Juste après avoir quitté La Réunion, je suis allée à Paris et donc je vous mets les images maintenant en même temps, parce que j'ai pas pu les inclure dans le vlog, ça avait pas trop de sens, mais c'est des images quand même que j'ai envie de garder, donc je les mets là. Et voilà, sur ces belles paroles, je vous donne vos devoirs du jour. Dites-moi si vous êtes déjà venu à La Réunion, ou si vous comptez venir, ou en tout cas si ce vlog vous aura donné envie de venir, parce que c'était le but. J'espère que j'ai réussi à bien vous vendre l'île avec les paysages que je vous ai montrés. J'ai essayé de montrer une diversité, donc la plage, les montagnes. J'ai pas montré trop la ville parce que j'ai passé peu de temps à Saint-Denis, comme les années précédentes j'étais un peu plus. Je sais pas si c'est vraiment très représentatif de La Réunion, mais il y a en tout cas une belle variété de paysages, donc j'espère que ça vous aura donné envie de venir un jour. Dites-moi ce que vous pensez de la conduite. Est-ce que vous avez votre permis de conduire? Est-ce que vous aimez conduire? Est-ce que vous êtes à l'aise au volant? J'aimerais bien savoir. Et voilà, c'est tout pour ce vlog. Je vous retrouve la semaine prochaine normalement pour une vidéo actuelle que j'ai filmée aujourd'hui en partie donc au Canada, parce que là on n'est plus du tout dans la même ambiance, on est en plein hiver. Donc j'espère que ce petit coup de soleil vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait trop plaisir de la monter et ça me fera trop plaisir de la regarder plus tard. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, ça me fait trop plaisir. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, pareil je les lis tous même si j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et bisous. In the sun, it's already been...